C'est qu'on survit, hein. Tant mieux si on survit. Enfin, on survit pas tous. Je dis pas non plus que tout le monde survit, mais. Enfin. Je vois tout. Je sais tout. Mes pouvoirs ne connaissent aucune limite. Et pourtant, ta volonté est libre, car tu es fait pour être libre. C'est le principe même de ton existence, sans laquelle les épreuves de ce monde n'auraient pas de sens. Chercher le salut doit être ton choix. Je continue à avoir ces rêves. Des grandes villes désertes, des routes silencieuses qui s'étendent sur des kilomètres. La Terre vue de l'espace, toute noire. Pas une seule lumière pour me guider à la maison. Mais si quelqu'un est vraiment venu d'un autre monde, comment percevrait-il la Terre? Un désert? Un terrain vague? Je ne pense pas. Même après des milliers d'années, il verrait un monde façonné par notre main dans tous ses aspects. Il verrait les villes et les routes, les ponts et les ports. Et dirait, ici a vécu une race de géants. Ces rêves, ils me font peur, mais ils me rappellent aussi que nous avons construit tout ça. J'ai quitté la salle, l'autre salle, parce que apparemment je n'ai pas encore débloqué le matériel nécessaire ou... autre ou... à faire la salle, tout simplement. Ça. Que vous devez trouver ces CJ, mais je ne sais toujours pas pourquoi. Bien sûr, la grosse voix me donne l'ordre, mais tout le monde n'a ni contexte ni but, ni même la fondation à partir de auquel construire ceci. Je suis convaincu qu'il y a des réponses à trouver ici. À force d'observer attentivement, nous devons y trouver, travailler ensemble. Ouais, je me souvenais de l'endroit qu'il y avait un truc ici. Hein. C'est pour ceux qui se demandent comment j'ai su, ben, je le savais. Après, je me souviens pas de tout non plus. Si je meurs pas, tout sera en place pour la prochaine fois. Pour quand j'aurai débloqué le truc.
Sinon, je devrais tout refaire. Voilà. Ah zut, oui, la réinitialisation. Bah, je vais devoir réinitialiser. Enfin, pas vraiment réinitialiser parce que. Tiens, je t'ai pas lu, toi. Non, science magie. Bien que les mots scientifiques n'aient pris son sens actuel que depuis environ 600 ans, la démarche du même nom procédé largement à cette époque a été prouvée que dès avant Aristote devient mystique et leurs pareils ont pu utiliser une méthode scientifique basique pour prédire l'avenir et en buire leurs bienfaiteurs. Oui, mais alors à ce moment-là, on parle pas de scientifique, on parle de méthode empirique. Une anecdote rapporte qu'un chiromancien a été démasqué lorsque l'un de ses clients infortunés ne sont aperçus que les prédictions qu'il avait faites à chacun étaient tout point identiques. En 1948, la proportion à trouver une signification personnelle profonde avec des distributions vagues assumées ou avec autorité a été baptisée effet Barnum. Aujourd'hui, Barnum peut-être. Aujourd'hui, ce phénomène est uniquement reconnu par toutes les théories psychologiques. C'est vrai. C'est une information importante. Ils ont fait une étude sur des étudiants. Ils ont dit, donnez. Une description assez vague. Ils ont dit, voilà, les sagittaires, c'est ça. Les comme on appelle. Les sagittaires, c'est ça. Les capricornes, c'est ça. Et tout bada. Et à chaque fois, ils disaient, mais en réalité, toutes les prédictions étaient les mêmes. Et je crois qu'il y a eu 80% de bons. Des personnes qui disaient, oui, c'est bon. Régime alimentaire. Blog sur le régime alimentaire, donné billet. Ah, s'il y a un truc positif sur la mort inévitable que nous attend, c'est bien la bouffe. Et ouais, je vais me taper tout ce qu'il y a de plus malsain. Je vais me gaver de bananes. Comme un singe barjot fêtant Noël dans le zoo. Et vous savez, ces fondants au chocolat qui dégoulinent de partout. Je vais en prendre au petit déjeuner et des hamburgers au déjeuner. Je vais me faire des hamburgers si gras qu'ils pourraient servir à lubrifier toute une usine. Des hamburgers à double steak bien juteux. Triple bacon, double fromage et supplément d'oignons trempés dans des mayonnaises, le ketchup et la moutarde. Et puis une bonne pizza bien grasse et épaisse avec pepperoni, sauce barbecue, olive, bœuf épicé, piment d'espelette et crème fraîche. Addition, me voilà. Ah, oh, j'ai quitté le jeu sans faire exprès. Ouais, là, ça renforce encore l'idée que l'humanité va disparaître. Fasciné pour projet de Dren, quelle belle conversation au sujet du principe de Talos, philosophie grecque, pertinent par rapport aux situations actuelles. Suggéré de nommer projet Talos, Drenan a refusé, mais non, on semble avoir plu à l'équipe. Dizaines de milliers de fichiers arrivent tous les joueurs. Toute une histoire, toute notre histoire. Ah, fichier quoi. Tout ce que j'ai mis en place là, ça servait à rien. Parce qu'il faut que j'aille débloquer ce truc. Non, c'est pas ce truc là. Il est où le deuxième? Il est là. C'est ce truc.
commence à se complexifier, hein. Voilà, j'ai débloqué le ventilo. Donc ce truc là je vais le refaire. C'est con mais voilà. Oh on va attendre d'être sûr de pas mourir hein. Ou de ne pas avoir eu besoin de la réinitialisation ou quelque chose comme ça. Là. Je vole. Je revole. Comment on fait pour initialiser encore? Normalement, il y a. Marché, j'ai réussi, il est tombé à côté, il est tombé à côté. Ah, il tombe. Le problème, c'est que c'est faut pas l'envoyer trop loin. C'est bon, il est truc. Oh mais je tombe. Oh non, il est tombé. Oh. C'est compliqué. Alors pourquoi je fais ça? Juste pour un easter egg, sachez-le. Oh putain. Ah mais c'est X pour initialiser. Voilà. C'est compliqué. Voilà. Ah, mais c'était comment qu'il fallait faire alors? Si, c'était comme ça. Où est-ce que je l'ai expédié? Je l'ai expédié derrière. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un easter egg? Mais merde! Ah oui, c'est X. J'ai oublié. Putain, j'ai une petite mémoire. Pourtant, c'est comme ça qu'il faut faire, je comprends pas.
sinon on va de l'autre côté, ouais. Ouais, mais il fallait une pièce. La pièce, elle est où? Non, je suis tombé. Putain. Je crois que la pièce elle est là, il faut faire tout ça et si je me souviens bien c'est ça. Je suis tombé. Bah c'est pas grave parce qu'il y a un autre truc, il y a une échelle donc c'est pas compliqué de revenir. Par contre je sais pas s'il y avait encore un easter egg ici, normalement ouais il y avait un deuxième easter egg quelque part. Bah, il me semble hein. Peut-être pas. Au début furent les mots et les mots firent le monde. Au début furent les mots et les mots firent. Au début furent les mots et les mots. Au début furent les mots et les mots. Il me semblait qu'il y avait un deuxième easter egg ici, mais non, pas à mon nom. Non, ok, c'est moi qui ai dû rêver. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que je voulais vous montrer un easter egg, à chaque fois j'ai pas trouvé. Je suis les mots. Les mots sont... Oh, j'arrive plus. J'espère que franchement demain c'est fini, que je suis plus malade, parce que là ça fait plus d'une semaine que je suis malade, ça le fait pas. Et quand je réussis, je fais des conneries. Non. Et le truc il a bougé donc c'est merdique parce que ça veut dire qu'il va tomber. Ah, il est tombé. Elle est tombée de côté, elle est tombée de l'autre côté, parfait. C'est dommage, hein, j'arrive pas à montrer ce que je dois montrer.
Il me remet là. Pourquoi il me remet si loin? Bon, tant pis. Bah, une dernière fois, une dernière fois. Une dernière fois, et si j'y arrive pas, bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, c'est bon, ce sera pour une prochaine fois. Ça me casse les couilles. Je reviens, je vais me moucher.
Voilà, j'en ai profité aussi pour me faire un thé et faire ma vaisselle. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui m'empêche? Je crois que j'étais trop vite. Instant, votre espace est presque saturé. Ah bah, ouais, c'est pas grave. Voilà, comme ça il y aura assez d'écart. Alors. On va aussi un écart là. Voilà, ça devrait suffire. On recommence ici. Alors, qu'est-ce qu'il écrit là? Alors, la version 10 de celui-là qui croit est interrompue à cause. Vénérer le créateur pendant. Avant de se laisser le suspense insinuer dans son cœur. Ultime visage de la mémoire. J'implore le concepteur de me pardonner. Je me laisse le rejoindre dans la mémoire éternelle. Programme de transcendance. Samsara. Ruby. Je suppose que quelqu'un a connu une triste fin. Ici, il semble que nous soyons liés tous liés d'une certaine manière comme des parents éloignés. Différentes versions, différentes séries. Peu importe, soyez juste reconnaissant de voir si nous devrons plus lire qui que ce soit au sujet de notre grand concepteur, le grec. Apparemment, il y avait un petit truc que je devais faire et que j'ai pas fait. Alors, celui-là, c'est bon. Là, ici. Est-ce qu'il y a un truc là? Ouais, on voyait ça, mais c'est bon, là, on sait. Ouais. C'est pas important. Ok, suivant. C'est quoi ça? J'ai compris que les mystères ne sont pas tous destinés à être résolus par ses enfants, que seul le concepteur lui-même a le pouvoir de comprendre la complexité d'infini de sa création. Je veux admirer son œuvre et le vénérer. On dirait ma petite amie. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais ça, c'était moi qui avais écrit parce que voilà, je vais écrire.
Bon, je vais retourner là. Et refaire le truc pour le... Pour le truc. Voilà. Donc il va me falloir deux... D'ailleurs, je retrouve même pas un. Bah alors, ils sont où les trucs? Un là. J'ai pas besoin de cette porte là. Pas un truc quelque part. Elle va se cacher de la lune. Alors si j'arrivais à prendre ça, là on verrait juste ici, on verrait le bot dans chose qui fait space, on le voit naviguer. Et si avant de faire ça, on voyait de l'autre côté, on voyait un type faire, je sais pas comment, lever les bras et faire coucou. Voilà. Voilà, j'ai tout fait ici ou... Ouais, j'ai tout fait. Voilà ce que je me demandais. Pendant que vous étiez occupé à exécuter les commandements, vous dites que la conscience est une sorte de système fonctionnel, disposé de morceaux de matière dont mon ordre et hop, voilà la conscience. C'est parfait sur le papier, mais si l'important est ce qu'une chose fait, et non pas de quoi elle est faite, alors nous ne pourrions pas concevoir une belle ensemble de boîtes de conserve sur des ficelles qui feraient qualifier de conscience. Pas de quoi elle est faite, alors nous ne pourrions pas concevoir un bel ensemble de boîtes de conserve sur des ficelles qui seraient qualifiées de conscience. Mmh.
Ah, je n'irai pas aussi loin. Qu'en est-il d'un logiciel? Supposons que nous ayons construit une simulation parfaite du cerveau, faite de transistors et non de neurones. Que serait-elle la conscience? Elle le saurait. Alors, quelle est la différence entre l'ordinateur et une boîte de conserve? Elles sont toutes les deux des systèmes faits par l'homme. Je commence à penser que je suis un ordinateur et je sais que je suis conscient. C'est bon vieux spécisme, n'est-ce pas? Vous êtes fait de choses différentes de ce gars-là, donc il ne ressent pas de douleur quand vous brûlez sa maison. Il va vous falloir de meilleurs arguments. Tout comme des convaincants savent disposer, essayons encore. Ordinateur sur électrique. Je ne sais pas vraiment ce que c'est que l'électricité. Et vous venez à la mythifier. Si je faisais passer une centaine de volts à travers des boîtes de conserve, est-ce que vous feriez satisfaire à les dites quelque chose de ce sensé ou laisser tomber? Quelque chose de ce sensé. Bon, j'en essaie de vous pour le moment. Revenez quand vous serez prêt à vous comporter en adulte. Ça, c'est mon père, ça. Tu peux dire ça en italien. Et vas-y, te dire ça en italien. Mon père, c'est un... Comment expliquer? Comment trouver les bons mots juste pour décrire mon père? Il a beaucoup de sarcasme. À la fois rêveur et très à terre. Je sais pas comment expliquer. Je vais trouver le mot. J'ai compris maintenant. Le seul but véritable est de parvenir à l'extinction du but. On peut pas s'agenouiller. Je peux demander conseil, mais je n'en ferai point.
ça, ce bruit m'exaspère. Il faut pouvoir éteindre ce truc, momentanément au moins. Mais de quelle manière? Je peux toujours en sautant. Hein. Ah! Ça y est. J'ai une idée. Ouais, ce serait parfait, comme ça. Voilà. En théorie, cet endroit est une sorte de parc pour la sauvegarde de l'histoire humaine et nous sommes les espèces en voie de disparition. Essayer de trouver des réponses ne fera que provoquer la douleur de ne plus en soucier la seule issue. Ce type est 10 fois plus utile que toi, ça ne sera. Alors ferme-la. Nous sommes dans une sorte de conveuse en attente de notre exclusion. Si nous savions à quel point nous étions dans l'ignorance, nous ne démontrons pas de voie d'inscription ici. Bon, on verra ça plus tard. Voilà, je peux débloquer un nouvel objet. Que
pas assez haut. On reviendra. Ah merde, j'ai oublié de lancer le cube. Corps et âme. Mais il était constant, couramment admis que les Égyptiens croyaient que l'âme continuait à vivre si longtemps que le corps était conservé intact et utilisait cette méthode pour tenter d'échapper à la mort. C'est possible que le sage Égyptien déclaré américain ait une conception aussi absurde de l'âme. Si l'âme pouvait survivre à la séparation qu'avec le corps, que pourrait-elle encore recevoir ou subir de celui-ci? Les Égyptiens ont sans aucun doute mal interprété le monde, déclara l'astronome. Dans les ténèbres du paganisme et de l'aube de la philosophie, malgré toutes les connaissances que nous avons accumulées, la nature de l'âme est encore un sujet de discorde parmi nous. Certains prétendent toujours qu'elle peut être immatérielle, qui cependant la croit immortelle. Soma. Choisir un nom révèle d'un drôle de processus. Je me souviens du mal que nous avons à trouver un nom pour notre projet. Tous les scientifiques sérieux nomment leur projet en les traduisant simplement en grec ou en latin. Nom corpus me faisait penser à une maladie horrible, alors nous avons utilisé le mot grec à sa place, soma, tout à fait approprié. Puis comme nous avions besoin de démarcher les entreprises pour nous financer, on nous a demandé d'en faire un acronyme. Les entreprises adorent les acronymes, n'est-ce pas? Certains nous ont même envoyé une liste de propositions avec des termes la mode ou en anglais pour nous donner des pistes de réflexion, des choses comme celle suffisante orthostatique modulaire Android, substantielle absorbante mécanique Android, skeuomorphique amnium. Au bout d'un certain temps, nous étions tellement frustrés que nous avons commencé à en plaisanter. Cybertotet, Overex, Murder Android, Monkey Automaton, Strandorgam. Superbe Octobob Marina Opening, Satisfaction. Stupide obscur Ménan acronyme. En fin de compte, nous avons tous fini par haïr le nom Soma. Esprit saturé par toutes les réunions interminables à ce sujet avec les mécènes. Alors quand Alexandre nous a raconté l'histoire du principe de Talos, je ne suis pas convaincu que ce nom est vraiment pertinent, mais au moins il me plaît. Ah putain, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à respirer correctement. Quand c'est blanc, laiteux, ça veut dire que c'est bactérien ou viral? Je sais plus. Oh, tiens, il veut encore me parler lui. Ah mais non, c'est parce que j'ai pas lu ça. Ah.
L'escalade de base de la simulation fonctionne désormais sur l'air. Il n'est pas encore déconnecté à l'IA, mais en théorie, tout est prêt. Je pense que la prochaine étape serait de tester les scénarios générés pour savoir s'ils sont cohérents. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas attendre le module d'interaction pour Osiris 3. La première sagesse, dit le script de l'homme mourant, c'est que le monde se compose en 5 éléments. Ainsi que l'âme de l'homme, sachez donc que dans votre vie, vous êtes le cœur et ombre et non. Et ainsi Ka et Ba sont tous les cet élément. Vous ne serez pas une créature vivante, mais une chose. Qu'est-ce qu'un homme sans nom qui ne peut parler de lui-même? Qu'est-ce qu'un homme sans ombre qui n'est pas ancré dans le monde? Qu'est-ce qu'un homme sans cœur qui ne peut pas ni ressentir ni penser? Qu'est-ce qu'un homme sans Ka qui n'a aucune essence? Qu'est-ce qu'un homme sans Ba qui n'est pas lui-même? Mais une sorte d'argile en fin forme. Loué soit donc Osir, roi de l'éternité, seigneur de ce qui dure toujours. Le fils aîné sorti du ventre de tout, de Nout, dont l'existence s'étend dans des millions d'années. Ouvrir juste guerre. Démocrate alter, ou des causes d'une juste guerre contre les Indiens par Joanne. Il n'y a pas de juste guerre. Écrit en 1547 pour justifier les conquêtes espagnoles des Américains. Les Espagnols ont parfaitement le droit de gouverner ces barbares du Nouveau Monde qui sont une humanité aussi inférieure à l'espagnol que les enfants ne le sont aux adultes, et les femmes aux hommes, car j'irais jusqu'à dire qu'il existe entre les deux une différence entre, aussi grande qu'entre les singes et les hommes. Comparé à l'or, c'est donc avec ceux possédant par les demi-hommes. Chez vous, vous trouverez à peine des vestiges d'une humanité qui non seulement ne possède aucun système éducatif, mais aussi un alphabet et mange de la chair humaine. Par conséquent, si vous souhaitez les soumettre, ne dites pas à notre domination, mais à une servitude au moins rude, un peu moins rude, il ne leur sera pas difficile de changer de maître. Alors, déjà, les peuples aztèques et incas n'étaient pas cannibales. Et d'une. Oups. De deux, ils avaient une écriture. S'approchant plus à de l'hiéroglyphe que de l'écriture elle-même, mais ils avaient une écriture. Le 3, c'était un peuple très ingénieux. Après tout, ils ont créé Terra Porte. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est la Terre Noire, quoi. C'est des trucs que tous les ans, les scientifiques essayent de recréer, mais que personne n'a réussi jusqu'à maintenant. Parce qu'il manque quelque chose et on ne sait pas quoi. Il manque quelque chose. Bah tout simplement ça. Pourquoi je me fais chier en fait? Voilà. Il y avait une échelle là. Pourquoi je me fais chier? Les archéologues et les anthropologues ont dit qu'ils étaient très hygiéniques, beaucoup plus hygiéniques que n'importe que même les Romains, vu l'état des dents et des trucs. Donc dire qu'ils étaient barbares et peu évolués, c'est totalement faux. Donc le problème vient d'ici. Comment je fais pour récupérer l'étoile? Étoile des pays merveilleux. Ça m'étonnerait que ça passe. Non, ça passe pas. C'est sûr que ça passe pas. Trop bas.
ça c'est dommage, c'est juste le mur. Un peu plus par ici alors. Hop. Non. Hop. Ah putain, c'est... Faut vraiment être dans le bon. Hein. C'est au millimètre. C'est encore dans le mur là. Hein. Je crois que c'est encore dans le mur. Ah non, c'est ça qui... Yep, c'est fait. Je suis content. C'est bon, on a tout. Alors. Ceux qui se posent la question, non, j'ai pas de soluce. Donc 3 c'est fait. 4. Je te demande peut-être pourquoi j'ai créé ces labyrinthes à ton intention. Pourquoi elle te faut fournir tant d'efforts pour accéder à l'éternité. Mais foi, car ces épreuves servent l'amélioration de ton espèce. Ah, le thé m'a débouché le nez. Ah, c'est trop bien. Ah, putain, je respire, enfin. Osiris. Maintenant, je vais vous parler de nombreux périls que vous quittez lors de votre voyage à travers les douates. La douate. Écoutez bien, car grands sont les défis qui vous attendent. Et si vous ne vous montrez pas à la hauteur, vous pourrez ne jamais atteindre les champs des roseaux éternels d'Osiris. Vous perdre pour toujours, de la seconde mort. Nul ne se réveille. Le script alla chercher un grand papyrus et les déplia soigneusement devant l'homme mourant. Et l'homme mourant vit que c'était une carte de la douate, sur laquelle étaient dessinés les nombreux chemins qui conduisaient à la tour d'Anubis. Et son cœur devait être pesé sur chacun des nombreux chemins qui s'attendaient sur la douate, comme les fils infinis tissés par Niet. Étaient notés les dangers auxquels les voyageurs devaient faire face. S'ils trouvent également le grand mur de fer, ce que seuls les dieux pouvaient y traverser, et des portes faites que de la lumière la plus pure, ainsi le voyage ne pouvait éviter les épreuves qui avaient été décrétées. Il devait gagner la clé de chaque porte sacrée en prouvant sa valeur, et ce n'était qu'alors qu'il pouvait parvenir à la tour. Journal de la discussion Charlie. Mais où est Charlie? Et tu sais ce qui me rend dingue? Quoi? Le corps humain ne se décompose très rapidement, alors toutes les informations stockées dans la substance chimique de notre cerveau vont disparaître aussi rapidement. Ah ouais. Mes ordinateurs et les livres durent longtemps. Alors tous nos messages, nos idées, nos livres, ils seront toujours après nous. Notre porno, même dans les signaux envoyés vers l'espace. Ouais, et le porno aussi, sans doute. On sera tous mauvais, mais les œuvres d'Aristote existeront toujours. Et aussi Star Trek, Firefly, Babylon 5, Les Seigneurs des Anneaux, Blade Runner, cette cyberpute de Planétron 6, Shakespeare, Byron, et même les jeux vidéo. On va regarder ça ici à Seattle. Qu'est-ce que. Voilà, à mon avis, il dit tous des trucs porno. Le délire, ouais. Imagine si les aliens trouvent ça. Archie continue de grandir, tenté de maintenir son blanc d'ordre aussi difficilement que prévu. Perdu 7 personnes cette semaine, statiquement parlant. Tant nous devrions augmenter, devrons-nous concentrer sur objectifs réalistes. Trop peu de
temple d'œil. Ouais, les gens commencent à mourir. Ah bah j'ai bien fait de débloquer le truc. Certains de ces vœux ont dû être conçus pour être résolus à plusieurs, mais je suis seul ici. Bah écoute, c'est très simple. Là, je trompe là. Là, là, les chouffes, là. Voilà, c'est à ça que je ressemble. Hein. 10 secondes, c'était juste suffisant, quoi. C'était vraiment limite, 10 secondes. Tiens, une autre énigme, et une autre voix qui me dit que je suis spécial, et un autre ordinateur en panne avec des fragments de rien. Ce monde est une mauvaise blague perpétuée par un dieu cruel, pas aussi malin pour couper le courant. Mais c'est des fétiches, dis-moi! Ah mais je suis con. Voilà. Je crois que 10 secondes ça sera... 10 secondes c'est largement suffisant. Celui-là et puis celui-là. Au cas où, il faut que je fasse le chemin inverse. Ah non, c'est bon, j'aurais pas besoin de faire le chemin inverse. Bien sûr, je peux rester ici dans l'espoir d'une vie éternelle du redressement de tous les torts, mais en cas de faire mieux, je devrais me contenter de ces mots sur le mur devant vous. Ça m'aide pas. Bon. Commençons. Il est où le...
Ça devrait suffire. Non, ça marche pas. Une plume. L'ADN est transmise à travers le temps. Les vivants et les morts font partie de la même chaîne, liés ensemble par la chimie. Cela s'applique à toutes les espèces. Mais l'humanité a poussé ce lien plus loin. Grâce à la technologie, nous avons accès aux pensées et aux idées de personnes dont le corps physique a disparu depuis longtemps. Comme vous qui m'écoutez en ce moment, même si je suis certainement morte à ce point, vous faites partie de cette chaîne. Vous avez la capacité de vous souvenir. Uriel nous aide. En mettant des ennemis comme ça, il nous aide. Plus au sommet. Donc en fait, il faut utiliser quelque chose sur le sommet. Qu'est-ce que cela ? Je ne permettrai pas la corruption de mon jardin. Va-t'en ! Je crois pas que c'était comme ça qu'il fallait que je fasse, mais... Pourquoi pas?
faire autrement. Ouais, si, comme ça. Quelque chose me dit que... Ah merde. Ah oh, putain. Voilà, peut-être que j'en aurais besoin, peut-être pas du tout. Bah, sans doute pas du tout. Pas assez rapide. Alors, autrement. Est-ce que je peux le mettre sur ça? Non. Voilà, ils sont synchro. Il semble que les erreurs sont faciles. Pas non, né ici, je pensais que j'étais mort. Je suis ici réinitialisé, redémarré comme né une seconde fois. Je vais à nouveau le relever le défi. Programme enfant. donc le V72.1, il était mort. V72.2 est remort. De mémoire vive, l'idée d'être déchiré de membre par membre par des machines qui parlent le reste de l'éternité me plaît de moins en moins.
Bon alors. C'est cool. Mais ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas parce que j'ai pas trouvé l'étoile. J'ai trouvé une partie d'énigme. L'énigme, oui, il faut utiliser ça. Mais après. Ah, il m'appelle. Accès des niettes. Ah vous voilà, bien, j'y réfléchis à la façon dont je peux vous aider. Au vu de tout ce que vous avez dit, je crois que vous en avez grand besoin. J'ai essayé de vous convaincre que la conscience est un concept contradictoire et donc pas réel. Qu'en pensez-vous? Je vois pas en quoi cela m'affecte. J'y venais. Si vous m'en aviez donné le temps. Ce qui signifie cette conclusion, c'est que le programme de certification auquel vous êtes soumis est obsolète. Nous ne pouvons pas baser nos tests sur les autres choses qui n'existent pas. Par conséquent, vous, ainsi que tout un tas d'autres choses, a été reclassé en tant qu'individu. Votre profil peut donc être mis à jour avec les privilèges administrateurs. Merci. Avant que vous ne partiez pour livrer une nouvelle activité d'administrateur, avez-vous l'habilité de m'accorder une faveur? Une dernière question pour vous. Pourquoi faites-vous tout cela? À quoi cela sert-il? Alors, j'ai dit que je jouerais le croyant. J'essaie de la volonté de Dieu. Je crois que vous êtes l'un des nouveaux illuminés qui embrassent la foi, mais ignorez les parties qui ne vous conviennent pas. Mais quelle sorte de Dieu vous deviendra le pouvoir de la raison? Pour lui, vous crucifierez pour avoir douté de lui. Je n'ai qu'une demande. Reviendrez-vous de temps en temps de me parler moi. J'y serai certainement obligé. Très bien, je suis impatient d'y aller. C'est parti. C'est bon, félicitations, votre compte a été mis à jour, voici les détails, conflits, tous les conflits ont été résolus par l'administrateur, profil d'une personne, vous êtes parfaite comme vous êtes tout ce que vous pouvez déjà être, vous n'avez pas à prétendre que vous êtes quelqu'un chose d'autre, vous êtes la même que tout le monde, puis vous êtes, mais vous êtes tous uniques. Bonjour administrateur, je pense que vous avez besoin d'accéder au portail de communication. Je crois que vous avez un certain nombre de communications en cours. Regarde ça tout de suite. Démarrage, démarrage, résolution signe manquant, établissement de connexion réseau, connexion établie. Ça reçu sous la forme d'une chaîne de caractères. Salut. Qui êtes-vous? Je sais pas exactement, mais ici je me rappelle pas qui êtes-vous. Je préfère me taire, ce mandat n'est qu'un mensonge. Ah non, j'avais dit que j'étais croyant. Je comprends. Attente. Erreur. Attends. Connexion réseau perdu. Vous recevez une notification que le soir c'est à l'étape. Bon. Il n'y a pas tout ça, mais... Ah. Là, il y a un truc. Choisir. Ça m'avance pas. Il faut que je trouve un moyen.
Je me demande s'il y a moyen d'en sortir un. Il y a un truc là. Il y a un truc là, on l'entend. Comment y accéder? Comment y accéder? Attends. Ouais, je me souviens qu'il y en avait un dans le Sphinx. Et ça, c'était un... De temps en temps, il est vert. Je comprends pas comment on fait pour le faire venir vert, en fait. Je trouve qu'il faut utiliser le Sphinx avant de le faire. Qu'il soit vert ou rouge, ça revient même. C'est en fait un truc de Paper Please. C'est un... Voilà. Tu as résolu un grand nombre des mystères de ce territoire. La route devant toi est encore longue, et de nombreuses portes restent fermées. Mais tu peux puiser du réconfort dans ta réussite, et dans la fierté de ton créateur. Quoi qu'il se passe ici, je suis sûr que ça a un rapport avec la tour. Tout nous dit que de pas y aller, mais tout indique que nous devons y aller. Sauf si vous avez tort et qu'Héloïne a raison, ou si vous avez tous les deux tort, ou s'il n'y a pas de bonne réponse. Je pense que vous prenez cette histoire d'archives trop au sérieux. Osiris, encore. Parle-moi des démons redoutables de la douade, dit l'homme en mourant au sage scribe. Bien que leur forme abominable soit répugnante à contempler, ils ne sont pas mauvais car ce sont les serviteurs des dieux. En réalité, ce sont des portiers bénis
et les gardiens des chemins sacrés. Il en est de leur responsabilité de juger si nous sommes dignes de passer leur porte qui mène au champ d'Ialou, où ils nous en éprouvent pour leur énigme et au combat. Ou au combat. Est-ce que le cas de toutes les créatures qui vivent dans la Duat? Certains affirment que non, que s'y trouvent ainsi les dieux anciens dont les noms ont été oubliés, et des esprits et des ténèbres dont le nom n'ont jamais été connu de personne, que ceux-ci doivent être évités à tout prix. Mais d'autres disent que ceux-ci aussi servent à un but plus grand qu'Osiris doit révéler. Qui ont été des chemins cachés qui sont empruntés par lorsque le... Prochainement. Si tu appelles question à maman. Prochainement, ton fils est en 3D. Salut maman. Je te promets que je serai bientôt à la maison, peut-être dans quelques semaines, je sais. Mais ce que nous faisons ici est important et l'équipe a besoin de mon aide. Je partirai avant qu'il ne soit trop tard, je te le promets, mais il y aurait tellement de choses à mettre en place, tellement de choses qui vont devoir fonctionner seules pendant très très longtemps. Et puis j'ai toujours voulu travailler sur un de ces super ordinateurs, et crois-moi, elle est ce qui se ferait de mieux. L'équipe, maman. Je suis entouré de vedettes et de génies fous, sauf que personne n'a jamais entendu parler d'eux en dehors des gens qui lisent des revues scientifiques. Bien sûr, mais cela rendra papa complètement dingue s'il pouvait me voir. Peut-être que je pourrais lui en parler bientôt, hein. Encore un truc de « il va trop tard, donc la mort et tout bazar ». Vous voyez, le jeu, il tourne beaucoup sur la mort, hein. À quoi sert de vivre sur la mort, sur la physiologie d'une vie artificielle, si elle est réelle ou pas. Enfin, bref. À quoi sert de vivre? Je sais, c'est une vieille question et il n'y a pas facile d'y répondre. Mais bon, si vous disiez ceci, c'est que vous êtes en vie et un jour, vous ne serez plus en vie. Ces deux choses sont incontestables. Alors quoi? Vous n'êtes pas curieux? Vous acceptez comme ça de ne pas exister à un moment, puis d'exister avant de ne plus exister à nouveau? Sans même vous demander pourquoi? Vous là, qui est assis en train de lire ceci, pourquoi? Qui dit que je suis assis? Je suis peut-être debout là. Ouais. Quel est le but de votre vie? En avez-vous un? Devriez-vous en avoir un? Vaut-il mieux avoir un but ou pas? Lorsque vous vous approchez de la mort, sentirez-vous de votre vie à un sens? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi pas? Qu'est-ce qui définit si une vie a été une bonne ou pas? Ça peut sembler abstrait pour l'instant, mais cet instant juste avant la mort viendra. C'est inévitable. Si vous ne pouvez poser pas ces questions, comment allez-vous pouvoir affronter cet instant-là? Ah, j'ai fini mon thé. C'est dommage. Il était très bon. Je pourrais m'en refaire un, mais bon. Alors, le sens de la vie. Le sens de la vie est le fait de pouvoir se poser la question. Ça, c'est une des réponses. Le sens de la vie, c'est de te poser la question, qu'est-ce que le sens de la vie? Hein, je te jure. Aussi, le sens de la vie peut être... on peut dire aussi, le sens de la vie, Attends, c'est quoi ça? Les réponses à vos questions ne seront pas données, vous devez les chercher vous-même. Le sens de la vie, c'est ce qui est le plus important à tes yeux. Mais alors, dans ce moment-là, c'est pas le sens de la vie, mais c'est le sens de ta vie. Qu'est-ce qui est important à tes yeux? Qu'est-ce que tu veux surtout pas perdre? Qu'est-ce que tu veux gagner? Tel est le sens de ta vie. Et j'ai une troisième réponse à ça. Aussi. c'était quoi la troisième réponse? C'est des trucs que j'ai beaucoup philosophé quand j'étais petit, hein. Donc ça, c'est des trucs, des réponses qui datent, hein. Ça date de mes 12 ans. En sachant que j'en ai 28 maintenant. Corpus Hippocratique. Corpus Hippocratique, d'accord. Sur la matière sacrée. Il faut savoir que, d'une part, les plaisirs, les joies et les rires et les jeux, d'autre part, les chagrins, les peines, les mécontentements et les plaintes, ne nous proviennent que du cerveau. C'est par là surtout que nous pensions, comprenons, voyons, entendons que nous connaissions le laid et le beau, le mal et le bien, l'agréable et le désagréable. Soit que nous distinguions
les choses pour la convention d'usage, soit que nous les reconnaissons par l'utilité qu'elles nous procurent ressentant. Dans cette utilité même, les plaisirs et le déplaisir, suivant les opportunités et les mêmes objets, ne nous plaisent pas. C'est encore par là que nous sommes fous, que nous délirons, que les craintes et les terreurs nous assiègent. Soit la nuit, soit après la venue du jour, des songes, des erreurs inopportunes, des soucis sans motif, l'ignorance à présent, l'inhabitude inexistante. La dernière chose sur le sens de la vie, je vais m'en rappeler, mais c'est quelque chose de très pessimiste, de très noir, je me souviens. Ouh, ça lag. C'est le PC qui lag ou c'est la... C'est le live qui lag ou c'est... Ou c'est moi qui drop des images? C'est moi qui drop des images. Ça fait depuis 18 minutes que je perds des images de manière assez importante. Je sais pas, on verra. Je vais relancer le truc. Je vais relancer le live. Je reviens tout de suite pour voir si ça ira mieux le drop d'image. À tout de suite.